Du 18 au 24 octobre 2024, une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se déroule sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le lancement de cette opération a eu lieu le mercredi 16 octobre à San Pedro. Elle concerne les enfants âgés de 9 à 59 mois. Le professeur Kuntele Soro, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, n'a pas manqué d'exhorter les populations à faire vacciner leurs enfants. L'objectif, c'est d'éliminer ces deux maladies. La raison, elle est simple. Elle touche les enfants et elle a des complications qui laissent parfois des séquelles graves. C'est des enfants qui peuvent naître mal formés si la mère n'a pas été vaccinée. Si la mère développe la maladie pendant qu'elle est enceinte, l'enfant peut naître avec des malformations. Je suis très heureuse. Parce que vous savez, le taux est très élevé chez nous. La maladie a pris du terrain. Donc choisir San Pedro, vraiment, c'est dire merci au ministre. Cette campagne de vaccination connaît le soutien de divers partenaires techniques et financiers. L'UNICEF s'est engagé à cet effet à accompagner le gouvernement ivoirien pour assurer la protection maximale de sa population, surtout les enfants, futur capital humain du pays. C'est extrêmement important pour le gouvernement de Côte d'Ivoire que sa population jeune, notamment le futur capital humain, n'est-ce pas, du pays, puisse être en bonne santé et pouvoir contribuer pleinement à la société et à l'économie de Côte d'Ivoire à l'âge adulte. Pour rappel, la rougeole et la rubéole sont des maladies infectieuses, hautement contagieuses et restent un défi majeur en matière de santé publique en Côte d'Ivoire. Elles se transmettent principalement par voie aérienne et peuvent entraîner des complications graves. Concernant la rougeole, ce sont la cécité, la surdité et des complications neurologiques et le décès si elles ne sont pas traitées rapidement. Quant à la rubéole, elle peut entraîner la mort du fœtus ou des malformations congénitales.